Salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau petit jeu à tester sur la chaîne. C'est tout beau, c'est tout mignon, ça vient de sortir, c'est sur Steam. C'est au prix de 11,24€ en ce moment, c'est en promotion. Normalement, il coûte 15€. Et franchement, on va lancer une nouvelle partie et vous allez voir que c'est bien fun, c'est bien marrant à jouer. Allez, c'est parti! Donc, alors, du coup, on se retrouve sur le jeu Defunct. Oui, ça s'appelle comme ça. Presque tout show again. Très bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu. Bah, c'est l'histoire d'un petit robot sur une roue, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est super fun à jouer, ça va ultra rapide. C'est bien marrant. Et en fait, ce petit robot, bah, il s'est mis en tête de parcourir le monde à la recherche de petits bouts de pièces pour son petit robot. Et c'est vachement sympatoche. Et en fait, c'est surtout un petit jeu de réflexe où ça va très vite, où faut ramasser des petits clés comme ça, des fois, pour pouvoir ouvrir les portes, comme ceci. Et donc, en fait, sur le jeu, il y a une petite gravité. Et c'est ça qui est plutôt bien cool. Vous voyez, quand on appuie, par exemple, sur R2, hop, là, la moto, elle se colle au sol. Et du coup, je peux appuyer sur les interrupteurs comme ça. Enfin, j'appelle ça une moto, mais bon, il n'y a qu'une roue, comme vous le voyez. Et en fait, si vous voulez, je peux pas me coller au sol tout le temps, parce que sinon, vous voyez, dans les côtes, je freine direct. Donc, il faut juste se coller au sol dans les descentes, pour prendre de la vitesse et toujours lâcher au bon moment. Et c'est ça qui est super fun. C'est un petit truc à gérer. Regardez, par exemple, là, hop, on appuie à fond. On lâche pendant les côtes. Pendant les descentes, on appuie, on lâche. Hop, et on peut faire des doubles sauts comme ça. Ah là, j'ai mal géré, j'ai mal géré. J'attends. Hop, la descente, on appuie. Un petit double saut. Vas-y, viens ici, la petite clé. Ça, c'est bien sympatoche. Donc, du coup, bah, le jeu est disponible sur Steam depuis pas très longtemps. C'est tout nouveau. Et franchement, c'est bien sympa comme petit jeu. C'est pour ça que je voulais faire une petite présentation sur la chaîne. En plus, ça vient de sortir, c'est bien cool. Moi, je teste la nouveauté. Vas-y, mets la clé. Ah non, ok, d'accord. Ouais, faut que je mette la clé là-bas. Vas-y. Ok, d'accord. On en a une deuxième à aller chercher. Alors, par contre, je sais pas s'il y a de la coop en ligne parce que je vois qu'il y a un ordinateur avec moi. C'est possible ça, je me suis pas renseigné s'il y avait de la coop, ça pourrait être vachement sympa. Elle est où la clé? Elle est là-bas, regardez. Regardez, on va aller la chercher vitesse grand V les gars. Regardez, faut juste gérer. Hop là, petit coup de nitro. Et ce qui est bien c'est qu'il faut rappeler au bon moment. Et ça franchement c'est super fun à jouer je vous dis. Ah regardez, j'ai pas bien géré. Allez vas-y prends la clé. Yes! Ça c'est beau ça. En fait faut juste savoir appuyer au bon moment quoi. C'est ça le truc. Regardez ça. Alors c'est pas super fun. Bon par contre je vous dis faut le gérer un petit peu hein. Alors j'ai essayé un petit peu le jeu avant de commencer la vidéo parce que je voulais me familiariser avec les touches. Et je peux vous dire que franchement au début c'est pas évident les gars. C'est vraiment pas évident à se mettre dans le truc avec cette histoire de gravité et tout. Vas-y on va ouvrir la porte bien gentiment. Ça c'est cool. Regardez on va essayer de se gérer la descente là. Allez vas-y roue libre c'est parti. Ça, merde, putain, je l'ai loupé. Attends, si je fais select, yes, si c'est bon, je l'ai eu quand même. Ça, en fait, c'est des petits points de spawn. C'est plutôt sympatoche. Quand on appuie deux fois sur croix, on a le nose. Donc ça, c'est bien sympa. Vas-y, vas-y, avance, avance, vas-y. Ah, petite cinématique, ok. Ah, excellent, on a un petit garage là-bas avec une petite clé à molette. Ça doit certainement être pour réparer... bah, notre petite moto, justement. Il est en train de se poser la question sur quel bouton il va appuyer, en fait. Il commence par celui de droite. Très bien, ça n'a pas l'air de marcher. Celui de gauche. Très bien, ça n'a pas l'air de marcher. Ok, d'accord, il prend carrément les deux. Et là, il est désespéré. Mais ça marche. Vous voyez, petite morale de l'histoire. Eh bien, c'est qu'il faut jamais baisser les bras. Vous voyez, il a réussi à ouvrir le pont. Oh putain, merde, il s'est fait avoir. Ça, il s'était peut-être pas prévu, il s'y attendait pas. Oh putain, ça y est. Ok, d'accord, c'est carrément moi qui dirige le bordel. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, vas-y, avance. Bah avance, mon vieux. Bah... Putain, les gars. Allez, vas-y, là. Ah, ok, d'accord, fallait que j'appuie sur rond. Merde, bah, je savais pas. Oh, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ou comment ça se passe? Ah non, Lost. Ok, d'accord, Lost. C'est pas une série, ça, Lost? Lost, les disparus. J'ai jamais regardé cette série au passage. Ce qui paraît, elle est bien. Oui, je sais, on dérive totalement le sujet, mais bon, je voulais le dire. C'est à Lost, ça me fait rappeler la série un petit peu. Apparemment, c'est des personnes qui sont perdues sur un avion, ils vont sur une île, et... Oui, je pars totalement en couille, je dérive complètement. Revenons au jeu. Bah, très bien, un vaisseau spatial qui vole. D'accord, très bien. Un petit point de spawn, ça c'est cool. C'est quoi ça? Oh yes. Ok, c'est du boost. Yes. D'accord, très bien. C'était sûrement pas par là que je devais passer. On va la refaire. Un petit coup de boost, ça fait plaisir. J'ai rebondi sur je sais pas quoi. Yes, ok, ça rebondit, ça. Eh ben, c'est excellent, ça. J'ai vu un truc à ramasser et franchement, ça, j'ai carrément pas envie de le louper. Je vous le dis direct. Allez, vas-y. Vas-y, saute. Vas-y.
Eh ben c'est pas grave, on le ramassera un autre jour, allez vas-y. Allez vas-y avance, regardez, ce que j'aime franchement, c'est le coup de gérer le truc avec l'histoire de gravité, ou sachant que ça va donner un truc stylé. Ouais, enfin, vite fait quoi. Oh, comment que ça gère. Moi j'adore l'histoire de gérer le truc avec la gravité. Ça va super vite et faut vraiment appuyer au bon moment. Et ça donne des trucs bien stylés. Par contre, faut sûrement pas aller dans l'eau parce que à mon avis, ça nous ralentit. Ah, ok, j'ai loupé le point de spawn. Ouais, très bien. Donc en fait, si vous voulez, quand on est en montée comme ça, faut appuyer sur rond pour monter. Et du coup, ça motorise son espèce de monocycle là. On va l'appeler comme ça. Hein. Et en fait, c'est un petit jeu d'aventure. Hein. Petit jeu d'aventure, petit jeu de plateforme. C'est bien cool. C'est. Attends, je veux me rassurer d'un truc. Si j'appuie sur Select. Ok, d'accord. Donc en fait, on n'est pas obligé de passer dedans. Oh, excellent! Oh, la vitesse! Trop fort! Oh, yes! Excellent! Merde, comment je me suis foiré. Vas-y, c'est quoi ces petits machins? D'accord, c'est des machins qu'il faut sûrement pas passer dessus. Ok, d'accord. Je pense qu'il faut ramasser ces petites pièces. Oh, on peut passer là-dessous? Over the hill. Yes! Oh, excellent! Oh, franchement, ça a l'air d'être un petit peu un monde ouvert et tout. C'est super sympa, les gars. Moi, franchement, je vous dis, hein, le gameplay, il est super fun. Hein. Bon, par contre, je pense que ça joue plus... Enfin, ça se prête mieux à la manette plutôt qu'au clavier et à la souris, je pense. Hein. Moi, de toute façon, à la base, je suis plus un joueur à la manette qu'au clavier. Alors, c'est un petit peu contradictoire ce que je dis parce que j'ai une PS4, j'y joue que très rarement. Je suis tout le temps sur le PC. Mais par contre, la plupart du temps, quand je joue sur PC, bah, je joue tout le temps avec ma manette de PS4, quoi. Il y a forcément un truc que j'ai zappé quelque part. Ouais, oh, excellent, trop fort. J'ai dû louper un truc quelque part. Ça fait quoi s'il va dans l'eau? Il peut nager? Ah bah bien sûr que non. Oui, en même temps, ça m'aurait étonné qu'il nage, mais bon. Oh, excellent, la vitesse. Oh, la prise de vitesse. Trop fort. Oh, j'ai vu un truc là-bas. On va essayer d'y aller. Oh, regardez ça. Ça se prend. Ça se prend. Allez, vas-y, vers l'infini et le delà, mon vieux. Ouais, enfin, vite fait, quoi. Oh, excellent, c'est quoi là-bas? Mais en fait, ouais, les gars, c'est carrément un monde ouvert, je vous dis. C'est un truc de malade. Regardez. Oh, je sens que ça va être une tuerie. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. On se la retente. Regardez. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? Hein? Regardez ça. Regardez ça un petit peu, là. Alors. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Faut juste savoir où aller sur les bons machins. Et puis, c'est bon, hein. Ah, ok. J'ai compris. Oh, j'ai compris, regardez. Une fois que j'ai compris, ça va être trop bien. Allez, vas-y. Regardez comment que j'ai compris. Regardez comment que j'ai bien compris. Regardez, j'ai tout compris. Regardez, il faut juste passer par là. Voilà, tout à fait comme ça. Oui, on va la refaire. Regardez, ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de malade. Oui, c'est pas mal. Regardez, il faut juste trouver le bon filon. Une fois qu'on a trouvé le bon filon, c'est bon. Ah bah c'est par là. Attends, putain, merde, mais j'ai pas trouvé le bon filon du tout là. Ah bah regardez. Ah bah voilà. On peut rebondir là-dessus, c'était pour ça. Voilà, ça c'est pas mal. Un petit coup de nitro, ça c'est pas mal, ça fait toujours plaisir. Allez vas-y. Oh yes. Oh regardez. Excellent. Je suis pas passé par ici tout à l'heure. Par contre, il y a juste un truc que je comprends pas. C'est qu'en fait, je sais absolument pas où je vais quoi. Ah si, regardez. Si je vais là-bas, il y a un rayon lumineux. C'est bon, on est dans la bonne direction, vous inquiétez pas. Excellent, on va pouvoir passer là-dedans. Yes. Oh yes. Faut faire des petits zigzags, je m'en fous, je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est trop bien. 1 sur 5. 1 sur 5? Bah attends, j'en ai pas ramassé un tout à l'heure. C'est quoi ce délire, sérieux? Vas-y, petite descente. Alors là, les gars, franchement, je vous dis, je ne sais absolument pas où je vais, mais franchement, c'est trop bien parce que je dévale les pentes dans tous les sens. Et c'est ça qui est super fun, en fait, à jouer dans ce jeu. C'est que vous pouvez dévaler les pentes dans tous les sens. C'est super! Vas-y, en fait, faut trouver des bonnes descentes. Oh, il y a une bonne descente par là. Oh, la descente de malade! Oh, regardez comment qu'on va trop vite! C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade. Ouais, regardez. Ouais, c'est pas mal. Into the wood. Ok, donc dans les bois. Ok, on va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Ça peut être franchement sympatoche. Oh yes, oh yes. Oh, des fois, je vous dis, vous prenez de la vitesse. Tiens, j'ai croisé un collègue. Ah, c'est quoi ça? Ouais. Merde. Ouais, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai croisé un collègue tout à l'heure. Vas-y, avance. Avance, avance. On va essayer de partir un peu par là. Ouais. Ah, regardez un collègue. Attends, c'est des collègues ou c'est des méchants, ça? Ouais, je pense que c'est des collègues. Hein. Putain, merde, comment que je galère. En fait, le truc, c'est d'avoir le bon filon. Hein.
Oh, je dis grec to magnétise. Ah, yes. Magnétise make you still surface. Excalibur. Ok, d'accord. Ah, je crois qu'en fait... Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. Je pense que c'est pour rouler dans l'eau. Non, je crois que je vous raconte des conneries, les gars. Je vous raconte des grosses conneries. C'est pas du tout pour rouler dans l'eau. C'est pas plutôt pour s'accrocher au plafond. Ah ouais, en fait, ouais, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris. Normalement, ça doit marcher. Si je reste appuyé sur Y quand je prends ça... Ah ouais, ok, d'accord, faut rester appuyé sur Y. Ouais, attends, vas-y, vas-y. Le problème, c'est que je peux pas freiner en restant appuyé sur Y. Ok, d'accord, mais c'est super tendu, en fait. Ok, en vérité, ce jeu paraît complètement basique, mais je vous assure que c'est super tendu, c'est un truc de malade. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Defunct. En tout cas, c'est super sympa. Vous pourrez retrouver le jeu sur Steam, il est à 11€, un truc comme ça. Et il est franchement bien fun à jouer. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde, bye. Regardez la vitesse de pointe, regardez ça. Hein, c'est pas mal, là.